Bonjour à toutes. Alors, je me rappelle à autres que nous sommes dans le cadre toujours des Jeux de la plage qui aura lieu ce week-end, le 5, le 6 et le 7 à l'étang salé. Donc, un petit peu le programme, on aura du beach volley, beach foot, beach lutte, handball, sambal. Et puis au niveau artiste, on aura David Doré, Jade, Sun-Océan, Timat. Et on a aussi des associations comme Tiff & Co, Café Grillé, Zumba. Et on a aussi l'école de cirque qui sera là et qui est là aussi avec nous aujourd'hui, représentée par Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour à toutes. Comment il est? Bah, elle est là, elle est là. Alors, l'école de cirque, c'est l'association ça, hein? Parle-nous un petit peu de cette association-là, depuis quand il existe? Alors, c'est une association qui est sur la commune depuis 2019 et qui propose des ateliers de cirque pour toute personne qui veut essayer le cirque. On est installé sur étang salé à l'intérieur du Croc-Park, l'intérieur même du Croc-Park. Et on a repris l'activité menée par Circus Nous de Pays qui était présent avant pour faire les cours depuis 2008 ici. Donc, ça fait maintenant presque 15 ans qu'on est là sur la commune d'Étang Salé à proposer notre art. Alors l'école de cirque, quand on parle d'école, alors quel public est concerné par l'école? Est-ce que seulement les enfants ou bien des adultes aussi il peut venir? Non, 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 tout le monde peut venir y participer. On accueille les enfants à partir de 4 ans. Et après, dans nos ateliers hebdomadaires, on a des ateliers pour les 4-5 ans, des ateliers pour les 6-10 ans, des ateliers pour les ados et même pour les adultes, notamment le mardi soir, 19h-21h. Les adultes, ils peuvent aussi s'initier à la pratique du cirque. Donc, du coup, bah, à la pratique de la jonglerie, du trapèze, du tissu, l'équilibre sur objet, l'art clownesque, la magie. Parce que c'est plein de choses, le cirque, c'est plein de choses différentes. Et du coup, chacun peut s'y retrouver un petit peu dans la pratique de nos activités. Alors, combien de personnes en a un petit peu dans le cirque ou dans l'association lui-même? Alors, bah, il y a deux personnes au bureau, donc un président et une trésorière qui sont actuellement en métropole, qui vont revenir bientôt. Nous accueillons également aussi deux services civiques et on a des partenaires dont je fais partie. Moi, je suis chargé de projet pour l'école de cirque dans la partie tout ce qui est partie pédagogique. Et sinon, bah, l'école, elle a 200 adhérents répartis à peu près, on va dire 80 marmailles. 40 ados, une quinzaine d'adultes pour les ateliers hebdomadaires et on organise aussi des stages pendant les vacances. Donc voilà. Est-ce que c'est uniquement le bonne marmaille des temps salés qu'il fait partie des adhérents du Alors, cirque? étant sur la commune d'Étang Salé, on a quand même pas mal de marmailles d'Étang Salé. Maintenant, après notre zone de chalandise, elle s'étend à peu près de Saint-Paul. Là, cette semaine, on a un petit qui vient de la Possession, par exemple, et un autre qui vient du Tampon. C'est à peu près la zone dans laquelle les gens se déplacent pour venir jusqu'à l'école de cirque. Et sinon, après l'école de cirque, elle se déplace aussi un peu partout sur l'île pour des interventions, soit dans les écoles, pour des interventions dans le milieu pénitentiaire, ou pour des interventions avec du cirque adapté, avec les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y en a des élèves depuis que Zati existe, l'intègre le cirque pays? Alors, Nana, 5 élèves qui sont partis en métropole. Il y en a un qui est en ce moment au Centre national des arts du cirque, donc au CNAC. Et on a deux jeunes qui sont partis, enfin 4 jeunes qui sont partis en bac cirque l'année dernière à Châtellerault. Et qui seront là, puisque c'est les vacances, et du coup, ils seront présents au jeu de la plage pour initier aussi d'autres marmailles. Ils seront là demain, donc des jeunes qui ont découvert le cirque chez nous et qui ont décidé aujourd'hui d'en faire leur métier. Oui, il y en a quelques-uns et de plus en plus. Est-ce que dans le cirque pays là, est-ce que nous peut retrouver un petit peu tout ce que nous retrouvons dans les cirques habituels là de tout ou bien Exactement, on peut retrouver à peu près tout, à part les animaux. On n'a pas d'animaux, on n'a pas vocation, et on n'a pas non plus, c'est pas dans nos valeurs de trinque-baler des animaux. Donc vous du êtes coup, entouré après, sinon on d'animaux peut voir hein? tout ce qu'il y a sous un chapiteau. On dispose d'un chapiteau de cirque qui tourne régulièrement. On organise notre festival chaque année fin avril. En général, il se faisait à la Ravine Saint-Leu. On est en train de travailler avec la mairie d'Étang Salé pour l'amener sur la commune cette année en 2023.
Et aussi, on propose divers spectacles, notamment à travers le dispositif Guetali proposé par la région, où cette année encore, nous allons aller pouvoir jouer dans des lieux qui n'ont pas vocation à recevoir du spectacle, aller jouer un spectacle qui s'appelle Carmen, qui parle notamment du rapport entre les hommes et les femmes et de la violence conjugale, donc des sujets qui sont intéressant à porter ici sur le territoire comme partout ailleurs. Est-ce que quand vous avez fait des spectacles, la Ravine Saint-Leu par exemple, est-ce qu'on n'a que du cirque ou on a autre chose dans la musique, non? Alors, comme on est association école de cirque, on a principalement du cirque avec des acteurs pays, et notamment toutes les compagnies qui font partie de l'association réunionnaise des arts du cirque, la RAC, le nom l'est bien choisi. Et du coup, on essaye de programmer principalement les acteurs locaux, mais aussi, comme le cirque et la musique, ça va ensemble, on programme aussi en général des artistes pendant notre festival qui se déroule sur 3 jours, et qui s'appelle le festival Cirque Pays d'ailleurs, et qu'on aimerait du coup pouvoir proposer sur la commune d'Étang-Salé dès avril 2023. Alors, ce sera donc à l'Étang Salé ce week-end, comme nous l'avez dit, ce 5, le 6, ce sera sur les 3 jours hein, là-bas, hein, que ça sera proposé sur place. Alors, eh bien, on vous attend du coup dès demain matin, les enfants et puis toutes les familles à partir de samedi dimanche. On sera donc sur la plage avec plusieurs intervenants et vous pourrez notamment découvrir la jonglerie. On a prévu aussi de faire des acrobaties sur une bouée, ce que font pas mal les jeunes à la plage en ce moment. Et donc, du coup, travailler un petit peu ça. Et il y aura aussi de l'équilibre. Et voilà, on propose également une petite démonstration de notre art le samedi et le dimanche à 13h au niveau du podium, c'est ce qui est normalement prévu. Alors, comme vous l'avez dit à moi juste avant l'émission, que vous étiez aussi à la recherche d'un endroit aussi pour pouvoir installer l'azote, parce que l'azote les accroque pas, que peut-être qu'il faudra. Exactement, pour l'instant, nous on est installé à Croque Park, on y est très bien. On aimerait juste pouvoir trouver un lieu, nous, et puis pouvoir avoir notre identité, faire de la résidence d'artiste, et puis pourquoi pas une école de la deuxième chance, parce que le cirque c'est aussi pas mal de valeurs qu'on défend. Il n'y a pas de compétition dans le cirque, c'est plus de l'entraide, des valeurs familiales, de respect, de partage, d'échange. Et du coup, c'est aussi pas mal de métiers, le cirque. C'est certes l'animation des ateliers, mais ça peut être aussi maquilleur, décorateur, monteur de chapiteaux. Voilà, c'est un univers à découvrir. Et on invite du coup tous les habitants d'Étang-Salé à venir découvrir cet univers durant les Jeux de la plage. Et les enfants d'Étang-Salé auront aussi également la chance, grâce à la mairie, de pouvoir découvrir les activités du cirque, parce qu'on est en train de monter un projet pour faire des ateliers sur le périscolaire des écoles. On sera notamment sur différentes écoles d'Étang-Salé dès la rentrée. Et Philippe lui-même, que ça lui fait dans le ciel? Alors Philippe lui-même, il a plusieurs casquettes. Il fait un peu d'administration. Il monte des chapiteaux, mais principalement, il s'occupe du coup d'enseigner notre art à tous les publics. Et moi, je suis clown, donc je fais un petit peu de tout, aussi bien de la jonglerie que de l'équilibre, qu'un petit peu de magie, que de l'acrobatie aérienne. Et donc, voilà, on va dire que je suis clown, comme ça, c'est bien. Alors, ben Mes donc, enfants me présentent comme oui. ça, en tout cas. Quand la maîtresse demande qu'est-ce qu'il fait ton père, on lui dit il est clown. Ouais. Est-ce que les enfants, justement, ils reconnaissent à eux quand on est en tablier de clown en Ah, déguisement? maintenant, ils ont l'habitude, les Ouais. miens. Ouais. Après, c'est vrai que quand on arrive des fois pour jouer les clowns, on peut faire peur à certains enfants, parce qu'il y a la clownophobie, et pas qu'à des enfants d'ailleurs. Mais en fait, c'est un personnage qui permet de caricaturer la société, et en général, bienveillant. Alors justement, la clownophobie, pourquoi ça? Le maquillage, sûrement, peut-être certains films de notre époque qui auraient pu marquer certaines personnes, mais puis après, c'est comme la peur de quelque chose. On ne sait pas des fois d'où ça vient, c'est juste comme Clownophobie. ça. Quoi. Alors, ben, nous rassure tout le monde que Oui. Philippe est là. On ne sera pas en clown demain, vous pouvez Voilà. venir.
Donc Philippe sera là et sera aussi en clown, hein, je Non, pense. demain, je ne serai pas en clown. On sera pour faire des ateliers, proposer des ateliers. Par contre, on invite les gens qui veulent voir une petite démonstration de nos activités à venir, notamment le samedi à 13h, dimanche 13h sur le podium, où du coup, on vous fera un petit éventail de ce qu'on peut proposer. Est-ce que ça intervient aussi chez les particuliers? À l'époque, on faisait des goûters d'anniversaire, ça nous arrivait. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait parce que malheureusement, on a de plus en plus de projets et de moins en moins de temps. Mais n'hésitez pas à nous solliciter si nous sommes disponibles. Ça sera avec plaisir d'intervenir également directement chez vous. Et comment contacte Azote? Comment contacte Azote? C'est facile. Vous tapez École de Cirque Pays sur un moteur de recherche et vous trouvez toutes les informations. Voilà, ben, Miro, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Il nous donne rendez-vous les 3 jours à venir là, le 5, le 6 et le 7, Bah merci Patrick, à merci l'État salé. Radio Piquant de nous avoir invités. Et puis, bah, viens à Azote ce week-end. Voilà, on invite Azote, juste pour rappel, Azote, qu'on aura du sport, on aura la musique et on aura l'école de cirque également, qui sera là pendant ces 3 jours-là, avec Philippe, pas déguisé en clown, hein, Zot Lapeur, Non, ben, il ne non, sera pas promis. déguisé en clown. Voilà, nous retrouvons à nous remercie Ali d'avoir accepté notre invitation. Merci Patrick, et puis à bientôt. Plus devant, on retrouve.